Aujourd'hui, nous abordons les time-lapses et les hyperlapses, mais un peu différemment. Dans cette vidéo un peu différente, nous allons vous montrer comment créer des time-lapses et des hyperlapses de manière créative. Un time-lapse est une série d'images fixes qui forment, une fois assemblées, une image animée. Aux Pays-Bas, cela représente 25 images ou photos par seconde. Lors d'un time-lapse, on n'enregistre pas 25 images par seconde comme dans une vidéo normale, mais on enregistre plutôt par intervalle, donc avec un délai entre les images. Ça vous donne la sensation que la lecture est en mode accéléré. Bien sûr, vous pouvez enregistrer votre image et la lire en mode accéléré. Mais en faisant cela, vous perdez beaucoup de contrôle et la satisfaction d'avoir réalisé un très bon hyperlapse ou un très bon time-lapse. Marc, tu t'en sors avec ce time-lapse ? Eh bien, oui. J'ai déjà pu prendre une jolie photo, tu sais, avec le pont Erasmus en arrière-plan. Il y avait quelques voitures et des piétons, donc je trouve que ça fait un super time-lapse. Ça pourrait être mieux ? Je pense qu'on peut faire mieux, en effet. On se trouve à un endroit sympa ? Je voudrais voir l'Insta 360. Tu vas le voir. Très bien. Eh bien, allons-y. D'accord, l'appareil photo prend désormais 150 photos dans la foulée, donc je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Je dois juste m'assurer qu'il reste bien stable, et pour ça, j'utilise ce très beau trépied. Je vais vous parler un peu des paramètres que j'utilise. J'ai réglé l'appareil sur un sixième de la vitesse d'obturation. J'ai pris cette décision pour m'assurer que les voitures qui passent et l'eau ne deviennent pas trop plates. L'image ne doit pas être trop floue, tu devrais pouvoir voir la voiture un peu, mais elle ne doit pas non plus être trop nette. La vitesse d'obturation ne doit pas être trop courte. J'ai également ajusté un petit peu le diaphragme, parce que je voulais m'assurer qu'il n'y ait surtout pas de surexposition, et que tout soit plus ou moins net. J'ai aussi mis un filtre ND. Vous pouvez utiliser un F22, mais ça ne fonctionne pas toujours avec une vitesse d'obturation plus lente. Surtout par ce beau soleil, vous n'y arriverez pas toujours. Je tiens à préciser que j'ai fait la mise au point sur le bâtiment, et que j'ai réglé la balance des blancs, pour qu'elle ne puisse pas sauter d'une manière ou d'une autre. Le timelapse est terminé. En tout cas, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. On voit parfois une voiture rouler et les drapeaux flotter. Mais j'ai quand même envie d'aller dans un endroit où il y a plus de mouvement. Bart, on y va ? C'est parti. Ensuite, nous pourrons également tester ton fameux Insta 360. L'avantage de ce timelapse, c'est qu'il te permet d'enregistrer à 360 degrés. Donc, si j'en avais envie, je pourrais également nous inclure en filmant ce timelapse. On peut zoomer et dézoomer. La qualité s'est nettement améliorée par rapport à son prédécesseur. C'est la différence avec la caméra réflexe. La qualité de l'image est meilleure, et tu peux même créer des zones de flou si tu veux. Elle reste bien stable. Cet appareil est très pratique. On peut dire qu'il est vraiment fait pour nous faciliter la vie. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner par rapport à ça. Oui. Tu peux prendre des photos en 31 mégapixels. Oui. On a donc une certaine marge de manœuvre pour zoomer et pour dézoomer. Tu captures des photos en RAW pour mieux retoucher les images. Oui. Marc vous a déjà parlé des réglages de son appareil photo, bien sûr. Mais l'Insta 360 X4 vous permet de régler certaines choses en plus. J'ai sélectionné un intervalle d'une demi-seconde. C'est le plus court que l'on puisse faire à 5,7K. Et bien sûr, les voitures passent assez vite par ici. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. La résolution est de 5,7K et le reste est très facile au final. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous n'avez qu'à tout modifier par la suite. Allez Marc, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ce pont qu'on voit là a une belle courbe. Oui, le pont Willems. J'ai une idée sympa pour l'Insta. D'accord, je suis curieux. J'adore cet endroit. La circulation arrive de là et elle va aussi par là. Une jolie courbe, en effet. Exactement, et tu peux la modifier ensuite. Alors Marc ? Oui. On en a parlé tout à l'heure, ce fameux flou de mouvement. Il donne au time-lapse un aspect, disons, plus professionnel. Oui, nous avons tous le flou artistique, mais de différentes manières. En ce qui me concerne, c'est le hardware. Donc, c'est vraiment ancré dans la photo elle-même. Avec l'Insta, tu peux le configurer après, en post-prod, via un logiciel. Tu n'as qu'une case à cocher pour obtenir un flou de mouvement. C'est facile, pratique et rapide.
Oui. Mais on n'a quand même pas autant de contrôle sur le rendu final qu'on souhaite obtenir. Faisons une petite démonstration. Oui. Il est temps de faire un hyperlapse. Peux-tu nous expliquer ce que c'est ? C'est presque la même chose qu'un timelapse. Oui, le fonctionnement est le même, il n'y a que l'appareil photo qui bouge. Je suppose que l'enregistrement risque d'être un peu plus facile pour moi et plus difficile pour toi. Moi aussi. Eh bien, on va voir. C'est parti. Oui, d'accord. Allons-y. Marc travaille actuellement sur son premier hyperlapse du Marktal. Il va essayer de le faire latéralement, ce qui est déjà un défi. Notez bien qu'il a légèrement augmenté sa vitesse d'obturation. Il est à un sixième et il a activé la stabilisation. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de garder constamment un point en mettant l'accent dans cette case. De cette manière, il obtient une image aussi stable que possible et s'oriente en continu à partir d'un marqueur. Vous pouvez le stabiliser encore davantage grâce à Premiere Pro. Marc travaille sur son hyperlapse, donc je vais utiliser l'Insta360 X4 pour faire mon propre hyperlapse. Comme je le disais, la mise en œuvre est plus facile. Je tiens cette perche en l'air, je marche et tout le reste se fait plus tard. J'essaye de rester stable, mais je pense que ça ne change presque rien. Je vais traverser l'hyperlapse de Marc, c'est marrant, n'est-ce pas? Tu sais, JP, je me suis lancé comme défi d'avoir mon hyperlapse prêt sur mon téléphone, avant que Marc ait terminé avec son hyperlapse. On va voir si je peux le faire. Ça y est, la vitesse a été ajustée. Maintenant, je vais suivre un point particulier. Allez, dépêche-toi, tu en mets du temps. Tu as fini ? Bien sûr. Comment ça ? Tu viens de commencer. J'ai capturé plus de 100 photos en tout. Dommage. Je crois qu'il a raté son défi. On va devoir le faire sur l'ordinateur. Commencer à suivre, visualiser, ajouter un flou de mouvement. Ça t'a pris beaucoup de temps ? 5 minutes, je crois. Je me suis assis un moment pour vous montrer comment fonctionne l'application Insta360. Vous avez déjà vu pendant la prise de vue que c'est assez simple. Il faut définir les bons paramètres, tenir la caméra en l'air, marcher, et vous avez une prise. En fait, c'est dans l'appli que la magie opère réellement. Tout d'abord, nous pouvons la redimensionner. En fait, on cherche à extraire la bonne partie de la prise de vue. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est commencer le deep tracking. Comment faire ça ? Ajouter une keyframe et sélectionner ensuite l'option Deep Track. Je choisis le bâtiment Calex devant lequel on est, car il est au centre de mon hyperlapse. Ou du moins, c'était mon parcours. Je le sélectionne et le suivi peut commencer. OK, alors le suivi a bien fonctionné. Ce que je vais faire, pour l'embellir encore un peu plus, c'est activer le filtre ND de mouvement. Et ce filtre va donner un flou dans les mouvements. Et on va aussi ajuster la vitesse, sinon on ne pourrait pas appeler ça un hyperlapse. C'était un passage assez court, donc cette fois, je vais choisir de l'accélérer 8 fois. OK, ça y est, il a été exporté et voici le résultat. Marek ! Salut ! Ça marche ? Je pense que oui. Comme tu le vois, j'ai déjà réalisé deux beaux timelapses. Oui. Ou plutôt des hyperlapses. Je viens de montrer comment je retouche mon hyperlapse avec Insta360. Et avec l'appareil ? Je peux te montrer comment ça marche, mais nous devons aller en studio. Bien entendu, vous pouvez assembler toutes ces photos de différentes manières pour en faire un grand hyperlapse. Ça peut se faire dans After Effects et Premiere, mais aujourd'hui, je vais le faire dans Premiere. J'ai donc lancé Premiere et je vais importer les photos. Il y a 131 photos au total, donc converties à 25 images par seconde, ça fera un peu plus de 5 secondes. Je choisis une photo, puis je vais dans Afficher les options, et je coche « Séquence d'images ». C'était déjà coché pour moi, mais chez vous, ce n'est peut-être pas le cas. Ensuite, je clique sur « Importer » en faisant attention à ne sélectionner qu'une seule photo au lieu de toutes. Lorsque je double-clique, je ne vois en fait qu'une seule image, mais si je clique sur « Lecture », alors je verrai qu'un timelapse a déjà été réalisé. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez instable. J'ai fait de mon mieux pour que ce ne soit pas trop bancal, c'est-à-dire trop tremblant, mais ce n'est pas toujours parfait. Le Warp Stabilizer est un bon outil pour résoudre ce problème. Allez dans Effets, cherchez Warp Stabilizer et ensuite faites-le glisser sur votre image. Il va réfléchir un moment. Voilà, maintenant le Warp Stabilizer est prêt. Quand je le lis désormais, vous voyez que c'est beaucoup plus stable. Ici, le Marktal est déjà nettement plus stable.
que ce qu'on peut voir sur les images précédentes. C'est super beau. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser sur différents types de photos. En fait, je l'utilise uniquement pour les JPEG, juste pour la démonstration. Mais vous pouvez aussi retoucher vos photos dans Lightroom. Surtout, modifiez toujours les photos de la même manière. Donc CTRL-C sur une photo et CTRL-V sur le reste, pour éviter que l'exposition des images varie trop. Parce que ça ferait très moche dans le montage ou dans l'hyperlapse. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez les exporter en JPEG et les réimporter dans Adobe Premiere. Il faut simplement savoir si vous voulez le faire comme je viens de le faire. J'ai encore un petit conseil. Il est bon de savoir que vous pouvez faire de petits zooms subtils dans vos timelapses ou dans vos hyperlapses. Créez un calque d'ajustement, puis cherchez l'effet « transformer ». Placez-le sur le calque d'ajustement. La différence entre « transform » et « motion », c'est que si vous passez à « motion » et que vous zoomez, vous ne verrez aucune différence, car il redimensionne lui-même le calque d'ajustement. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut redimensionner tout ce qui est sous le calque d'ajustement. Ça se fait avec « transformer ». Je vais commencer avec une échelle de 100%, donc avec l'échelle originale, en fait. Ensuite, je vais tout au bout, et j'en fais un là aussi. Et désormais, vous pouvez voir qu'il est au milieu, et je vais le régler à 125%. Vous savez quoi, je trouve que c'est un peu trop rapproché, donc je vais le mettre à 120%. Voilà, le sommet du Marktal est encore parfaitement visible. Et maintenant, il est temps de désactiver le calque d'ajustement. En réalité, je suis toujours exactement à la même distance du Marktal. C'est chouette de rendre ça plus dynamique, donc vous pouvez utiliser cette échelle. Donc, si je le lis désormais avec l'échelle, cette fois, alors vous pouvez voir que l'image zoome et dézoome. Une sorte de... Oui, en tout cas, vous obtenez un effet différent et j'aime vraiment beaucoup ça. Vous pouvez faire ça avec des hyperlapses comme je l'ai fait, mais vous pouvez aussi le faire avec des timelapses. Le fonctionnement est plus ou moins le même. L'avantage, en tout cas lorsque vous utilisez un trépied, c'est que vous n'avez pas besoin d'un Warp Stabilizer, mais seulement de sélectionner l'image et de l'importer dans Premiere. Et vous pouvez utiliser un calque d'ajustement pour la redimensionner un peu. Alors Marc ? Oui Bart ? Une journée de timelapse. Oui. C'était bien ? C'était génial. J'ai beaucoup appris. Tu l'avais déjà fait avant, mais moi un peu moins. Oui. J'adore cet objectif, c'est le nouveau Sigma 470 f2.8 DGDN. Si vous voulez regarder le test complet, vous le trouverez ici, à côté de Bart. J'étais très content, et tu as aussi apprécié cet Insta360. Cette vidéo vous a été utile? Dans ce cas, likez, abonnez-vous, et à la prochaine fois. À plus. En même temps. Vraiment ?